Tu y vas et tu lui montres c'est qui le chef à ce cerveau. Ok, d'accord. Donc là, je... Grenade, pas clair. Qui je suis? Voilà. Donc là, maintenant, j'ai... Oh, putain, je suis invisible. Et donc, en fait, le rayon ne me touche pas. Très bien. Donc ouais, comme je vous disais, moi, la seule technique que je connais sur ce boss-là, c'est ça, en fait. C'est juste de foncer dessus comme un triseau et de foncer et de... espérer que ça passe. Mais ça passe de temps en temps. Ou sinon, ça ne passe pas. Fuck, je me suis loupé. Ok, merci. Il y a encore la flèche, what the fuck? Je l'ai eu? Ou je suis mort? Je l'ai eu. Mais je suis mort en même temps, d'accord. Ah non, c'est asymétrique, d'accord, très bien! C'est quoi? Un cauchemar? Ou une carte? Ou les deux? Hey, une minute! Désolé, Rasputin, j'ai dû interrompre l'expérience. Quelque chose d'incroyablement urgent s'est produit, je dois partir sur le champ. Je sais, vous n'allez pas le croire, je n'ai pas le temps, je dois filer. Une mission pour les psychonautes. Hey! Ça aussi! Une mission officielle, hein? Vous oubliez votre... Bah donc voilà. Hey, cette salle blanche. Je sais, ça vient de l'esprit d'Oléander. Je crois que j'ai tout le temps été dans le rêve du coach. Depuis que j'ai franchi les parasites dans la roulotte, c'était bizarre. Je savais que je n'étais pas obsédé par la viande. Mais Mori l'est. Et il vole des cerveaux de psychiques pour se faire une armée de chars mortels, apparemment. Faut que je le dise à Lily. Elle m'attend aux environs du local à bateau. Tout près. De l'eau? Oh, dépêche-toi. D'accord, très bien. Tout près de l'eau. Bon, très bien. Donc ouais, vous avez vu que mine de rien, en fait, on se rend compte que ben... En fait, Lander voulait faire, si vous avez bien regardé la map, pardon, à part roter, si vous avez bien regardé la map, en fait, vous voyez que Lander, ce qu'il veut faire, c'est, eh ben, c'est de conquérir le monde. C'est un peu Minus et Cortex, mais version, version psychonaute, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, on est au camp de nuit. Alors, le camp de nuit, c'est dangereux. Alors. En quoi c'est dangereux, vous allez voir de suite. Alors normalement sur le pont, voilà, sur le pont il y a déjà un chat qui... Ce sont des chats chaleurs. Hello. Allez, vous foutre le feu. Normal. Pourquoi ils vous foutent le feu, je sais pas, mais normal. Allez, ciao. 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 Tiens, je te gratte le cul moi, tiens. Prends ça, vilain sarcripin. T'es vilain. Vilain le chat. Vilain le chat. Vilain. Connard. Et donc ouais voilà. Par contre, ouais, mine de rien, je suis encore en train de réfléchir mais... Normalement il doit avoir un trésor qui doit être juste là en fait, dans ce truc là. Mais je sais pas comment faire pour l'arrêter. Je ne sais plus. Normalement la télékinésie me permet de l'en... Enfin... Attendez. Tendez, hein. Tendez, d'une suicide. Alors il me faut un autre crâne. Il me faut un autre non, crâne, je pense. Rien à faire. Non, rien à faire. Bon, vous voyez qu'on voit que dalle. Donc c'est à dire que vous ne voyez rien, tout comme moi. Alors oui, il y a aussi les ours, hein, entendu. Pourquoi ils seraient pas là, hein, eux? Oui, on doit retrouver Lily aussi. Hein. Ça fait genre j'en ai rien à foutre. Mais c'est le cas, j'en ai rien à branler. À branler. Okay. Il me file rien, d'accord, très bien. Eh oh les mecs, soyez un peu gentils quand même, filez-moi des trucs, ce serait cool. Je dirais qu'il me faudrait un autre casque, un autre crâne ou quoi. J'essaye de résoudre des énigmes qui, de base, sont super simples, tu vois, mais comme j'ai un esprit assez lent du bulbe. Attention, un écureuil volant. Tu pars tenter l'aventure, c'était drôle, non? Allez, reviens. C'était cool. Les enfants, rappelez-vous qu'il ne faut pas caresser ni nourrir attention, les animaux. Attention, un écureuil volant. Le psittanium qui s'est propagé dans la chaîne alimentaire a entraîné de nombreuses mutations psychiques. Et les animaux que vous rencontrerez, surtout la nuit, risquent d'être plus dangereux que ceux que vous avez l'habitude de voir. D'accord, donc en gros, c'est à cause du psittanium. Ok, pourquoi pas. Au moins, je le saurai. Au moins, je le saurai. Oh putain! Mais casse-toi! Attention! Oui! Oh. Hey. J'ai feu!
Oui. Ouais, donc bon, je me suis pris un petit coup de chaleur. Pourquoi pas, dès que t'arrives. Pourquoi pas. Merci, le chat. Putain, encore un. Oui, ouais. Téléportez-moi partout, ouais. Salut, le chat. Non, 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 non. Malinx, le lynx. Malinx. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Par là, c'est ça. Non. Non, 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 non. Oui. Mon gars, il fait... Bobby. Oh. Écoute, je peux t'expliquer. Hey, on dirait que tu as attrapé un bon rhume. Peut-être. Mais écoute, la source de l'interférence est la radio du coach Oleander. Il a diffusé son affreux complot dans tout le camp pendant son sommeil. Alors il enlève vraiment des enfants pour prendre leur cerveau et en faire des armes? Oui, c'est génial, non? Quoi? En quoi c'est génial? Parce que ça veut dire qu'il y a une véritable urgence psychique. Et Sacha n'est pas là. Il est parti en mission officielle de psychonaute. Un message de Mila dit la même chose. Lily, un fou dangereux construit une armée de chars psychiques de la mort pour dominer le monde. Et il n'y a que toi et moi qui pouvons l'en empêcher. Oh mon Dieu! Plantons-nous! Quoi? Pardon, mais ça m'excite tellement. Depuis que tu es là, Raz, tout est devenu bien plus excitant. Des complots mortels, des savants fous, des monstres effrayants. Se blotter? Comment ai-je pu ignorer ce que ce camp avait à m'offrir? Tout se dévoile maintenant grâce à toi. Je veux dire, regarde cette fleur. Comme genre, s'embrasser? Combien d'étés ai-je pu passer ici sans même jamais poser les yeux sur une jolie fleur comme celle-ci? Je peux pas. Je sais pas nager. Alors utilise le bathyscaphe au bout du quai. Vite, pendant que les traces de nageoires brillent encore. Vous venez? Je sais pas piloter ce truc. Je ne peux pas. Je dois aller voir les autres enfants, oui. Mais sans cerveau, il faut qu'on les surveille. Peut-être même qu'on les réfrigère. Et comment peux-tu ignorer comment on pilote un bathyscaphe? Tu n'es jamais allé en colonie de vacances? Maintenant, dépêche-toi avant que cette fille se fasse digérer. Non, j'y pense, mais... En fait, j'ai pas encore converti mes cartes. Ouais, je vais y aller. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, la femme. Allons-y. Oui, non. Attention, après je retourne, hein, donc bon. Oui, c'est vrai que ça a fait une petite césure dans l'histoire. Musique épique. Rasputin, viens ici. Je veux te montrer quelque chose. Ça attendra. Hein. FDP. Ok. Ça se fait. Et là maintenant, on fait. Ouais, c'est X. Allez! Allez, à boule les cartes! Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niveaux, ma gueule! Que des psys intermédiaires. Pardon. Des pouvoirs psy obtenus. Tiens, enchaîné. Ah oui, ça c'est génial, ouais. Si vous voulez, en fait, maintenant, quand je tire, ça fait en fait des remondis. Enfin, mes tirs se poursuivent, mais en fait se bousculent. Bon, bref, en gros, ça continue, ça touche les mobs à côté, voilà. Voilà. Regardez, c'est une salle pleine d'énigmes. Il ne reste que toi, petit. Je n'arrive même pas à contacter Sacha ou Mila. Et Dieu seul sait pourquoi.
Sacha a dit qu'il partait en mission officielle. Impossible. Je le saurais forcément. Non, il leur est arrivé quelque chose. Rasputin, écoute, tu es le dernier à pouvoir arrêter Oléander. Mais et vous ? Je ne peux pas quitter cette grotte, Rasputin. Pas comme le fort crûleur que tu connais. Quoi ? Pourquoi ? Il y a des années de cela, je suis sorti à peine vivant d'un terrible duel psychique. Ouais, j'ai lu ça. On a dit que votre psyché était brisée, que vous étiez devenu fou. Mais vous avez l'air bien. Oui, quand je suis ici près du filon de Psitanium, le pouvoir concentré du Psitanium m'aide à ordonner mes pensées, à être comme j'étais autrefois. Mais si je quitte ce sanctuaire, mon âme se désagrège et j'adopte une de mes autres personnalités, sans me rappeler qui je suis vraiment. Je ne serai qu'un boulet, sauf si tu as besoin de ratisser ou de nettoyer. Eh bien, vous pouvez appeler le QG et demander de l'aide. Les psychonautes ne m'écoutent pas. Ils m'ont classé cinglé depuis des années. C'est pourquoi Sacha et Mila doivent faire toutes mes missions. Le QG ne sait pas que c'est moi qui gère les affectations, sinon il les refuserait. Mais Sacha et Mila n'ont pas l'air d'être en mesure d'agir. Tu vas devoir être mon agent, Rasputin. Tu es prêt ? Oui. Bien. Oui. Tu dois découvrir où ce monstre a emmené la fille. Et si tu trouves d'autres cerveaux d'enfants en chemin, rapporte-les-moi pour que je les remette en place. Compris ? Oh ! Je veux dire, oui, chef. Ah là là, que d'émotion. C'est con, mais... C'est bête, hein, comme scène, mais je trouve ça stylé avec la musique et tout, tu sais, genre quand il dit « tu es le dernier ». Je trouve ça super stylé, c'est un truc de malade. Je l'avais fait il y a hyper longtemps, mais voilà. Bon. C'est l'heure d'aller au lac. Mine de rien, c'est à peu près cohérent dans l'histoire, en fait. Genre, tu vois Krüller qui dit « non, je ne peux pas », tu vas le voir, tu fais « mais pourquoi, mec, je suis nul, tu sais, je peux pas conduire, mais... » Et donc voilà, et donc ouais, vous comprenez qu'en fait, le Ford Krüller, enfin je prends en compte, bien sûr, que vous ne connaissez pas, le Ford Krüller en fait que vous voyez là, en fait, c'est un Ford Krüller qui a différentes personnalités. Amiral, vous avez entendu ? L'énorme et hideux Deepnost du lac Oblongata a enlevé Lily. Deepnost ? Alors c'est ça qui m'a troué mes canoës ? Bon, je sais ce qu'il faut faire. C'est vrai ? Cool ! Ouais, j'ai de la laque anti-Deepnost. Je n'ai qu'à en passer une couche, peut-être deux, et c'est réglé. Amiral, le monstre est toujours là et le coach essaie de devenir maître du monde. Ah oui, le monde est une maison de fous, petit. Mais ne t'en fais pas. Les canoës sont sauvés. Donc bon, on va y faire la phase que je déteste du jeu. Je la déteste vraiment, parce que en fait, si vous voulez, c'est de la plateforme, mais... En fait, une sorte de scrolling de plateforme, mais très spécial. Et j'apprécie moyennement, en fait, on va dire, cette scène. Vous allez comprendre pourquoi. Ben heureusement qu'il y avait un peu d'air en dessous, quand même. Ouais, le truc c'est que vous pouvez regarder en haut, vous voyez la surface et tout. Je trouve ça ultra stylé comme environnement. Bon, ça fait un peu penser à Bioshock. Lol. Oh, je l'ai eu, trop balèze. À l'aise quand tu rentres sur la piste. Un Totocrate 5606. Bon alors, les Bernard l'ermite, ça se ferme, voilà. Vous avez les poissons. Pauvre petit poisson suceur, il peut pas respirer. Je devrais le tuer. Pauvre petit poisson suceur. Dur d'avoir une bonne prise. Hop là, il est toujours fou dans l'eau. Et bah, il glisse. Il glisse. Bah, le truc, si vous voyez, mine de rien, il y a la malédiction qui est toujours là. C'est assez drôle. Il nage là ou il glisse? D'accord, très bien. Bon, pourquoi pas. Vous voyez qu'on a aussi des boîtes de clous, ce qui est très important. On comprendra après pourquoi. Et donc, bah, on est parti pour une phase un peu à la Super Mario. Alors, j'appelle ça une phase à la Super Mario, pourquoi? Vous allez comprendre après. Que par un? Oh non, ça... C'est pas important. Excusez-moi. Ah, ce sont les restes de la digestion. Oui, donc il y a possibilité d'aller plus vite, en fait, mais bon.
J'ai pas une vie. Et donc là, on s'y accroche. Oui. Dis au revoir à tes oreilles, quoi. Ouais, ça va, à la fin, il s'y habitue. Bing. Bing. Bah donc voilà. Ce monstre est un dipneuste. Et normalement, les dipneustes, ils sont tout petits. Mais là, il est gigantesque, en fait. Il est juste gigantesque, celui-là. Ok, il a... recrache ta fille et on restera copains, le poisson. Eh ben, ça va être dur de trouver un endroit où te faire de nouvelles bosses. Ouais, vous voyez que mine de rien, il est un peu modifié. Bon, et donc, pendant qu'il aspire comme ça, ce que tu fais, c'est que tu tapes, comme ça il bouffe des clous. On a pété. Tu aspires encore ? Oh, aspire ma bite. Aïe. Pourquoi il y a un putain de poisson là ? Vas-y, recrache ! Recrache, madame ! Recrache ! Souvenir ! Attention ! Bon, t'as... Mais attends, il m'envoie vraiment des trucs, le gars. Vas-y, aspire. Vas-y, suce. Prrr. Tiens, voilà des clous. Prrr. On va les encore. Prrr. Bon, et là, il est pas content. Donc en fait, il manipule la bulle. Et donc, bah nous, bah, on doit se déplacer dans la bulle. En attendant bah, qu'il ait fini de faire mumuse. Et donc en fait, si vous voulez, vous avez la vision en fait du dipneuste. C'est vachement intéressant, mine de rien, comme scène. Mais je trouve ça, malheureusement, bah, pseudo pas jouable en fait. C'est très spécial à jouer. Mais bon. C'est intéressant parce que vous voyez les plantes qui commencent à tomber, les trucs comme ça, bon. De faire gaffe aussi à la malédiction. Genre vraiment pas sortir de l'eau. Enfin de l'air plutôt, parce que sinon bah vous l'avez dans le cul. Et pas qu'un peu. Ça aurait été bien que tu sautes. Merci Raz. Non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Voilà, tiens. Voilà tes 40$. Toi aussi. T'as été vilain! Toi aussi! Toi aussi! C'était quoi ces notes? Hein? Surtout en sciences physiques! Pardon, sciences physiques. Ah ouais, putain, c'est vrai que j'ai jamais remarqué, mais oui, il y a le terme de sciences physiques, ouais. C'est... Oui, je te donne la science et la physique. Hop! On va bouger un peu de l'autre côté. J'ai l'impression que Trouk, savez, c'est un architecte qui essaye de te faire faire une maison ou quoi. Il fait, alors je vais peut-être déplacer la bulle un peu plus sur la droite. Dépêche, dépêche, dépêche. T'as eu peur, hein? Moi aussi. Coucou la caméra. Coucou. De mémoire, c'était plus chiant, en fait. Je pense que je dis pareil dans mon VT, en plus, d'ailleurs. De mémoire, c'était plus chiant. Mais ouais, c'est parce que je joue sur PS3. Sur PS3, je pense que. Sur PS2, pardon. Je pense que sur PS2, c'est un peu plus long. Voire chiant en fait. Allez, ferme-toi. Oui, il est. Alors, n'oubliez pas les coquillages qui se ferment comme ça. Ça va être très important pour la phase d'après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pas exactement cette phase-là, si je dis pas de la merde. Ouais, c'est ça. La phase d'après. Vas-y, recrache. Recrache de la merde. Ouais, recrache, madame. Recrache. Souvenir. Tiens, crève le poisson. Hop là. Putain, mais tu veux encore plus près, peut-être? Aïe. Ah oui, suce-moi. Oui, ce sont des poissons suceurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sucent. Tiens, prends ça, madame. T'as pas encore une boîte? Tiens, voilà des clous. Voilà, des clous. Connard de pauvre. Pardon. Et donc voilà. Vous voyez que, mine de rien, bah, on se rapproche d'une ville... Je vois un morceau de saumon séché dans cette palourde. Si tu allais manger ça, plutôt. Ça crève. Vous voyez que mine de rien, c'est agressif, ces saloperies. Non, cassez-vous, cassez-vous. Donc ouais, comme je disais, en fait, vous voyez que mine de rien, en sous-marin, en fait, il y avait une ville, en fait. Vous voyez que c'est, on dirait une sorte de ville un peu fantôme, mais sous-marine. Voilà. Et vous voyez aussi l'icône en haut à droite. J'ai jamais fait attention. Enfin, pas vraiment, parce qu'à chaque fois j'essaie de me concentrer dans ce truc-là. Mais vous voyez que ça fait genre agro-grou, je suis le méchant, agro-grou. Agro-grou. Je suis vilain. Je suis le vilain. Ok. Je vais par où maintenant? Par là? D'accord, ok. You.
Ouais, ouais, que par moments c'est un peu énigmatique l'endroit où on va, mais bon. On se balade. Voilà. Là, c'est à gauche. D'accord, très bien. Vous saviez-vous que c'était à gauche? Moi pas. Bon, et mine de rien, cette phase-là, en fait, tu peux la faire sans lévitation. Vous voyez qu'il y a des trucs, genre, pour les gens qui se sont pas... Ça va être très à l'aise avec ça. Mine de rien, c'est intéressant. Vous voyez qu'ils ont essayé de faire un truc assez distingué du jeu, quoi. C'est... Ah, c'est pas plus mal, mais... Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop, j'aime plus trop cet endroit-là, en fait. Mine de rien, je vois toute la... Subtilité. Merci. J'ai sauté trop loin. Excusez-moi, chef, j'ai sauté trop loin. On va par où maintenant? On va par où maintenant, le monstre? On va par où? Comment on casse ça? Aucune idée. Y'en a aucune idée. Donc là, il pousse vers le bas. Là, tu slides de ma race. Oui! Tu cherches la mort, toi, c'est ça? Oh putain! Ah merde, je pensais qu'il m'a vu. Fuck. Donc ouais, là vous voyez qu'il vient. La meilleure façon de la voir, c'est... Voilà, de lui faire pouffer ça. Et là... Vous le violez! Vous le faites les fesses! Alors ouais, il fait son attaque Tatsumaki cross-up. Mais il se fait niquer. Donc là... J'adore la tête qu'il fait, t'as l'impression qu'il a un orgasme le gars, tu sais. Hey, copain! Hop là! Et là... Fini! Ah, pauvre petite bête. Cette pauvre petite bête vient d'essayer de me tuer de 8 manières différentes. Oh, c'était pas sa faute. Autrefois, ce n'était qu'un dipneuste de taille normale qui vivait sa vie dans une bulle d'air bordée de mucus sous un lac à demi asséché. Mais à en juger par le résultat, je soupçonne Mori de l'avoir fait muter, d'avoir accéléré sa croissance et de lui avoir posé un implant dans le cerveau pour qu'il lui obéisse. Oh... Pauvre petite bête. Ouais, entre là-dedans et essaie de virer l'implant. Utilise le psychoportail que je t'ai vu voler au labo de Sacha. Oh, ouais. Ça marche aussi sur les gros monstres? Oh, qui est le monstre? Cette chose a plus peur de toi que toi d'elle. Entre là-dedans. Bon, et donc on va utiliser le psychoportail. Résoup. Ce délire de folie, mec. Alors voilà, on va rentrer dans le monde le plus... What the fuck de Psychonautes.